Parolière et mélodiste, elle est une interprète qui nous étonne par la façon qu'elle a d'exprimer sans détour les désarrois, les allégresses frénétiques et les assombrissements attendrissants de la femme qui donne tout et qui met son cœur sur la main. Généreuse, spontanée et bouillonnante, elle chante tout en jonglant avec l'humour, l'humeur et l'amour. Et c'est comme ça que tout naturellement, et sans rien dire ni demander à personne, elle est partie le 31 octobre dernier, il y a donc moins de 6 mois, à Leeuwarden, en Hollande, pour représenter Nice et l'Occitanie à l'Eurovision des langues minoritaires. Vous savez quoi? Elle a obtenu la 3e place. Vous imaginez ce qu'elle aurait pu faire si nous l'avions soutenue? Mais c'est que sans aucun doute, elle serait revenue avec la 1ère place. Alors tous ceux qui sont là ce soir, réunis, nous allons l'applaudir très fort pour lui dire merci Zine pour cette magnifique performance et pour avoir laissé une si belle empreinte de notre ville dans le monde. Et sans plus tarder, Zine et le maîtriser l'introduction. Sélectionné sur cette chanson qui est une valse parce que j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Benoît Serra, rien à voir avec Huguette Serra ou un petit peu, je ne sais pas si on peut le dire, et donc un compositeur qui travaille en musique électroacoustique
Et donc on a mis un accordéon traditionnel, etc. Et c'est aussi ça qui a plu, c'est-à-dire que c'était à la fois innovant au niveau du texte, une chanson à texte en niçois, mais aussi au niveau de la musique. Et c'est vrai qu'on a bien représenté Nice, donc même si on est un petit peu parti tout seul, c'est-à-dire nul n'est prophète en son pays, mais on a sauvé l'honneur là-bas. Voilà. Bravo, bravo. Donc c'était quand même une récompense européenne. Et donc après, donc, Palmyra m'avait invité pour la soirée de la femme. Alors c'est vrai, je chante aussi en français, mais comme il y avait aussi Aurélie Payan et que je trouve que finalement bah, le monde est petit, on est tous citoyens du monde, il se trouve que j'ai adapté un texte de son papa et elle m'avait laissé le faire. Donc ça s'appelle Bessaye qui trouverai. Peut-être je te trouverai. Voilà. Donc et pour la suite, je fais quand même un petit peu ma pub parce que moi je viens de presque de la rue au début. Donc en fait on est en train de produire un album justement avec des chansons plutôt en français, mais il y a quelques chansons en niçois et quelques polyphonies. Si vous voulez le soutenir, donc il y a une souscription qu'on distribuera, et sinon sur le site zine.fr, parce qu'on est actuellement complètement autoproduit, donc pour préserver la diversité culturelle, même si c'est quand même, je pense, un petit peu moins important la diversité culturelle que les enfants qui ont faim. Mais bon, ce sont toutes des causes parallèles, on va dire. Voilà, donc je lance un appel à tout le monde.